toi-même, ta go que tu dis tu aimes, tu ne prends pas soin d'elle, tu ne lui donnes pas l'argent, les petits cadeaux, rien. Tu es comme vent dans sa vie. Tout ce que tu sais là, si tu dis abaisse-toi, elle s'abaisse. Couche-toi, elle se couche. Tu es là seulement pour le sexe. Après, ta vie te plaint. Elle n'est pas fidèle. Elle me trompe. Mais on n'exige pas la fidélité. On mérite la fidélité. Quand tu joues un grand rôle dans la vie d'une fille, là, elle-même, quand elle s'assoit et puis elle réfléchit, là, elle sait qu'il y a l'homme et puis il y a l'homme. Sinon, tous les hommes peuvent baiser. Mais ce qui fait la différence entre les hommes, là, il y a d'autres qui prennent soin des femmes, il y a d'autres qui aiment femmes, qui prennent soin, qui donnent l'argent aux femmes, des petits cadeaux. Mais toi, tu es dans sa vie pour la déshabiller seulement. Et en aucun moment, tu l'habilles. Toujours, tu la déshabilles seulement. Toi-même, il faut faire travailler ta tête. Si ton propre enfant manque de nourriture à la maison, manque d'entretien à la maison, il va se retrouver chez les voisins, c'est sûr, c'est clair. N'oublie pas la parole de Dieu. L'homme prendra soin de sa femme. Il faut travailler, ça va t'aider. Il n'y a pas gawa. Si tu prends soin d'une fille qui ne te calcule pas, libère-la. C'est qu'elle-même n'est pas intelligente. Il faut chercher une lutte. Mais ça ne doit pas faire de toi un avare, quoi. La vie est une...